Et salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de mon let's play sur le DLC de The Last Maharaja. Donc j'ai enfin retrouvé le nom. Donc on va continuer directement avec la suite où je m'étais arrêté. Avec certainement une petite cinématique, comme d'habitude. Ravi de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Allons-y. Il m'a été indiqué que la Compagnie des Indes avait volé une importante quantité de richesses au bon peuple du Punjab. J'ai bien l'intention de les lui rendre. Et où se trouve cet or ? Je n'ai pu découvrir qu'une chose. La Compagnie dispose de son propre comptable. Peut-être aura-t-il plus d'informations à ce sujet. Sans doute. J'ai cru comprendre qu'il aimait fréquenter un pub. D'accord, donc... D'accord. Il faut que j'aille voir le pub. Je peux même pas courir ? Ah bah non, je peux pas courir. Bon, en même temps, on va pas faire courir un roi, hein. Alors, du coup, on va devoir faire une enquête, c'est cool, ça. Ok, nous y sommes. Je me demande ce que je vais trouver là-bas. Ah, voilà, j'aimerais bien courir, j'ai dit. C'est celui-ci. Le comptable devrait se trouver par ici. Ok. Ah ouais, d'accord, il y a beaucoup de personnes. Désolé, je ne fréquente pas ce genre de personnes. Ouais. Bon, pousse-toi de là. Oh, vous venez de le manquer. Il est parti à la banque avec des gens que je n'avais jamais vus. Curieux maintenant que j'y pense, la banque n'est pas ouverte à cette heure. Il a raison. D'accord. Nous devrions aller à la banque. Mais attends, mais laissez-moi passer, là. Ouais, enfin... On va prendre ça, quand même, parce que... Sinon, l'autre con, voilà. Il va me faire chier. Allez, C'est vrai que partir à la banque alors qu'elle est ouverte, qu'elle est pas fermée... qu'elle est pas ouverte, c'est ça que je veux dire. Elle est fermée. Il faut trouver un moyen d'entrer. Je vais assurer nos arrières avant de vous suivre à l'intérieur. Allez-y, je vous rejoindrai plus tard. Oui, c'est bien ce que je me disais. En gros, c'est fait le travail. Vous pouvez partir. Et moi, je me gare, je dors. C'est surtout ça que tu voulais dire, enfoiré. Ok. Localiser le comptable. Il n'y a personne ici, non ? On y est presque. Mais il a l'air d'être au sous-sol, non ? Ouais. Ok, il va falloir que je rentre dedans, là. Si je me plante pas, il y avait une fenêtre par là. Non, peut-être pas, en fait. Ah, si. Je me rappelais bien qu'il y avait cette petite fenêtre. Non, mais c'est quand tu veux pour rentrer. Ah, voilà. Oula. Merde, comment je fais? Ah voilà. Ok, ok. Attrapez cette intruse. Ok, viens voir mon papy, viens voir. Le comptable devrait être dans les environs. Je devrais aller inspecter. Oh bah les couilles, je suis invisible. Attends, toi, mon gars. Une intruse ! Attends ! Eh, merde. Tiens, dégage. Ok, il y a un mec ici. Tiens, ça, c'est fait. Bon, ensuite. Voilà. Ah là là. Est-ce qu'on va y trouver quelqu'un? Putain, il y a de l'or de partout, quoi. Ah non, ça c'est pas de l'or, ça.
Je me suis fait avoir. Ok, glisse en dessous. Je suis sur la bonne voie. Il est ici quelque part. Ok. Ok, ok. Donc il doit être par ici, ce petit cochon. Ah, j'ai trouvé des... Voilà, des points rouges. Oula, 10. Donc comme ça, ça veut dire que... Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux le crier sur les toits quand bon te semble? Sais-tu au moins pour qui tu travailles? Les comptes de la Compagnie des Indes sont confidentiels. Désolé, désolé. Laissez-moi partir. Je ne dirai plus rien. Je vous le promets. N'y compte pas. Dis pas qu'on va pas les... qu'on va pas le laisser. Nous allons les éliminer ensemble. Mais montrons-nous discrets. Prenez l'un, je me charge de l'autre. Prêt? À l'attaque! La fille des Hooks, c'est là! Oui, d'accord, oui, je me suis occupé des deux, hein, mais bon. Parlez. J'ai désormais une dette envers vous. Les hommes de main de la compagnie ne l'ont pas ménagé. Nous devons le mettre à l'abri. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un qui se mêle de nos affaires. Trouvez-le et tuez-le. Ok, alors attends. Nous devons emmener le comptable. Si nous le laissons ici, il mourra. Ne traînons pas ici. Merde. Je serais mort là-bas. Comment vous remercier? Dites-nous ce que la Compagnie des Indes compte faire de l'or volé au Pendjab. Ça, je n'en sais rien. Y'a rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il se trouve dans un entrepôt de Southwark. La Compagnie n'en fera sûrement rien de bon. On ne retient pas les gens prisonniers par philanthropie. Est-ce que je peux monter par ici? Oh yes. Normalement, ça devrait être bon, là. Hé hey. Oh non, merde, je suis à loin. Ça monte pas, ce truc. À moins que je l'ai mal mis. Attends, je vais le mettre là. Ah, ça marche pas, putain. Non, je me suis fait avoir. Il va crever. Ah ben voilà, les escaliers, ils sont là, putain. Quel con. Montre-moi ta grosse tête, là. Voilà. Putain, il glisse! Non! Reviens là, putain, j'arrive pas à l'attraper. Ah, voilà. Oh là là, c'est la galère, là! Y'a quoi ici au juste? Y'a rien, putain de merde! Il va finir par crever cet enfoiré! Voilà. Vite, vite, vite. Oh yes. Ah, il commence à être... Ouais, il a la moitié de sa vie de partie, quand même. Voilà, je m'en serais douté. Il y a du monde. Putain. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Si j'avais pas perdu de temps. Oh là là. Peut-être par ici, je peux le faire. Il y
Y'a rien en fait, non mais c'est... Foutage de gueule, faut que je passe devant tout le monde, quoi. Et voilà. Je suis repéré. Pitié, je peux tirer sur l'assassin. Oh là là. Tiens, mange. Tiens. Tiens, toi aussi, le mange. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà, au moins... Au moins, c'est vite fait, comme ça, hein. Il est sur le point de crever, quoi. Ah mais non, mais j'ai appuyé sur la mauvaise touche en fait, c'est pour ça. Tiens, mange. J'ai appuyé sur L1 au lieu d'appuyer sur R1, je suis planté. Putain, dépêche-toi, tu vas crever. Non. Reste avec moi, j'ai dit. Ah, c'était faisable, mais bon, je me suis bien planté dans le chemin. Vite, mettez-le à l'arrière. Je vais le conduire à l'hôpital. You know very well, my money. Vite, vite, vite. Ah bon, c'est bon. Nous nous reverrons plus tard. Merci, Miss Fry. C'était Just, hein? Oh la vache. C'était juste. Bon, ne vous faites pas repérer, c'est pas trop grave, hein. Continue. Donc du coup... Je regarde juste un truc. Tac, tac. J'ai encore une mission. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. J'en ai 8. Attends, non. 1, 2, 3. Ah bah oui, c'est ça. Donc alors ensuite... Où est-ce qu'il est la prochaine mission? Oh bah c'est bon. C'est parfait. Déplacement rapide. Juste en dessous quoi, alors là, si c'est pas perfect. Ça c'est bien ça. Donc du coup, je me demande ce que ça va être ce gars, donc je me demande pourquoi ils en ont après ce gars quoi, enfin, après le Maharaja, parce que... Il est venu juste ici pour pas faire grand chose quoi. Enfin bon. Nous verrons ça. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais je vous le dis maintenant. Mais j'ai à peu près tout changé sur ma chaîne YouTube. Hein. J'ai mis une toute nouvelle bannière, j'ai mis une nouvelle photo. J'ai même changé mon intro qui est un petit peu plus courte maintenant, qui fait 9 secondes à peu près. Qui est avec une bonne musique. Moi, en tout cas, moi j'aime bien cette musique, donc c'est pour ça que je l'ai mise. Et du coup, j'ai tout changé, donc j'espère que ça vous plaît. Hein. En tout cas, moi je surkiffe la nouvelle bannière, donc voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, donc voilà. Je sais qu'après, une fois que j'aurai fini les vidéos sur Assassin, ça sera sur les vidéos sur le Let's Play de Metal Gear Solid 5, hein, même si c'est vrai qu'il a déjà été fait depuis longtemps, moi j'aime bien... J'ai pas encore commencé le jeu, donc je le découvrirai en même temps que certains qui regarderont mes vidéos, quoi. Enfin, peut-être que certains l'ont pas encore vu. J'ai découvert de nouvelles informations au sujet de leur volée. Allons à ma voiture. Pas de soucis. Elle est dégueulasse ta bagnole d'ailleurs, on se dit en passant. C'est très étrange. La compagnie des Indes travaille avec l'ordre des Templiers. Dans quel but? Allons-y. Peut-être ne le saurons-nous jamais. Le comptable a révélé qu'elle cachait une cargaison d'or dérobée aux Indes à bord d'une voiture conservée dans un ancien entrepôt de Starik. Il nous faut trouver cette voiture et dérober cet or. Et que ferez-vous? Ma foi, je compte bien vous aider. Vous verrez que je n'ai pas usurpé mon titre de 4e meilleur fusil de Londres. Très bien, il faut retrouver cet or. D'accord, ils ont volé de l'or. Alors on va aller prendre tout ça. Si j'avance doucement, c'était pour écouter le dialogue. Tout doux, tout voilà. Doux. Voilà, l'or est ici, quelque part. Okay. Rejoignez-moi quand vous l'aurez trouvé. Je resterai en retrait pour veiller sur nos arrières. Mais soyez prudents. Super, tu te branleras les couilles pendant que je fais tout, oui. C'est là que se trouve l'or. C'est surtout ça que tu voulais dire. Oh, il y a un jaune.
Un verre, pardon. Par contre, j'aimerais bien savoir... Oh merde. Je veux juste savoir... Comment on fait déjà pour rappeler mes potes. Ça sert à rien ce que ça vient de faire, hein. Alors, prendre l'or sur le voleur. Déjà que je trouve le voleur. Ok, la zone a l'air d'être assez grande quand même. Ah, il est monstrueux, c'est quoi ça? Ah voilà, j'ai trouvé. C'est lui? Attends, c'est bizarre, il a une cible différente. Ah, c'est un sniper. Mais je suis pas sûr. Attends. Voilà, je vais lui aller au couteau. Alors, c'est bien ce que je pensais, c'est un sniper. Le petit gars, il est où? Toi, mon gars. Enfin, plutôt ma coquine. Tu es morte. Bon, je ne sais toujours pas où est passé le... Attends, mais elle est immense, la zone de recherche. Est-ce que c'est lui? Non. Je suis bien content de ne pas être aux Indes. Voilà, l'or doit être à l'intérieur. Reste à le sortir d'ici. Eh ben dis donc. Mais c'est qui ce voleur au juste, parce que je le vois pas. Oh merde, un saut de la foi. Ça, il m'a emmené pas du tout là où je voulais. Est-ce que je peux t'attraper? Oh oui. Viens par là, toi. Bon, on va faire ça, hein. Eh, salut les gars. Tiens, mange! Je dois retourner voir Monsieur Singh. Tiens! Nous avons de la visite! J'ai vu une intruse! Chut! Allez! Allez, monte ma couille, vite! Qu'est-ce qu'il fait là? Ouh, joli! Ah, d'accord, il a descendu le cheval? Bien! Oh, ah, joli! Ne sont pas loin. Nous devons les semer. Je vais tenir ces loups à distance. Votre Altesse! Allez, vite! Le mec qui se met de... Oula, dégage. Mais dégage! Putain, je sais pas comment il fait pour tenir debout, le gars. Hein. Il est beau gosse. Aïe, 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 il tire bien, cet enfoiré, là. Allez, tombe, ma couille, tombe! Non, mais attends, mais... Ouh! Il est scotché, quoi. Ralenti. Oh, c'est quoi ça? Ok, tuez-le. Prenez ma place. J'ai l'impression que ce n'est pas votre coup d'essai. Oh oui. Oh oui. Boum. Bonjour. Oh, tout doux, là. C'est à mon tour de vous protéger, mec. Passager armé. Oh, salut toi. Merde, merde. Oh oui. Tiens. J'ai complètement fail. Recharger. Doucement, ralentis,
Ouh. Mais il conduit comment lui? Mais c'est quoi ce délire? Il conduit comme un barjot. Allez! Ah là là! Ah mais lui aussi il conduit comme un bœuf lui. Allez, voilà. Boum. Je suis sur tes talons. Tiens, oh là là, j'ai commencé à avoir plus de balles, plus de balles. C'était quoi ça? Venez, prenez ces munitions. Elles ne me servent plus à rien. Mais arrête de bouger là. C'est pas bon signe. Putain mais. Voilà, tu venais. Je crois qu'on les a semés. Beau travail. Ouh. Je dois dire merci que vous m'avez fait forte impression. Merci pour les munitions, ma couille. Ce périple fut très grisant, je dois bien l'avouer. J'ai engagé un capitaine afin de convoyer l'or aux Indes. Si vous voulez bien aller chercher la caisse à l'arrière. Ouais. What? C'est quoi ça? Voleur, tu ne t'en tireras pas comme ça. Allez. Ah d'accord, mais alors lui, le mec, est choqué. J'ai eu peur pour vous. Je vais bien, je vous assure. Vous les avez brillamment repoussés. Vraiment. Je dois dire qu'avec vous à mes côtés, renvoyer cet or à sa juste place sera une tâche des plus aisées. Allez vous remettre de ce dernier combat et revenez me voir quand vous souhaiterez poursuivre cette mission. Il nous reste du travail. Je suis choqué. Le mec, il a failli me baiser en plus, mais laisse tomber. Alors, tuer tous les Templiers à bord du train. Ah d'accord, j'ai pas fait ça. Et prendre l'or au voleur, sur le voleur du Templier. Mais pourquoi j'ai pas trouvé ça? Bon bah c'est pas grave. Je suis en train de j'ai joué toutes les games, enfin tous les trucs quoi. Enfin bon. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je compte faire donc du coup. 4, 1, 2, 3, 4... Ouais, 4 ou 5 épisodes, du coup, donc de deux missions à chaque fois, hein, ça fait 20, 23, 25 minutes, ouais, à chaque fois. Donc voilà, on s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu, donc je vous dis à la prochaine pour la suite des épisodes. À plus tout le monde!